RTCI nous réunit. Les grandes lignes de ce projet, il y a certainement la première partie qui concerne la définition et la mission de la crèche ainsi que de la jardin d'enfants. Après, on a opté pour donner qu'elles sont les parties prenantes qui peuvent assurer le contrôle et les inspections des jardins et des crèches. La dernière partie, ça concerne les sanctions, surtout la sanction des gens qui optent pour ouvrir des espaces et accueillir les enfants dans des espaces qui ne respectent pas les cahiers de charges. Et là, il y a des sanctions qui peuvent aller d'une amende de 5 à 10 000 dinars et la fermeture certainement de l'espace anarchique immédiatement. On a mis à disposition un numéro vert qui serait disponible à partir de 2017. Mais en parallèle, il y a un numéro vert pour les délégués de l'enfance, là où les parents peuvent appeler pour faire passer leur plainte qui concerne les jardins d'enfants. Pour le recensement qu'on a établi pour la première trimestre de l'année scolaire 2016-2017, on a trouvé plus que 300 espaces anarchiques dans différentes régions, dont 177 espaces anarchiques que les gouverneurs ont donné des décisions de clôture.